Cette signature de l'accord de rétrocession et la remise des clés consacre la mise à disposition de ce magasin d'une capacité de 1000 tonnes par Lyomois à l'État. Un magasin dédié à la conservation des récoltes et des graines au bénéfice de l'ARPOSA, l'association des riziculteurs de la plaine aménagée de Saint-Ouest. Lyomois a décidé de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire au Mali par la construction des magasins de stockage, l'acquisition de matériel de prêt, nettoyage et de conditionnement, la formation des populations bénéficiaires. J'ai entendu 5000 exploitants à peu près pour 320 à peine femmes. Moins de 10% des exploitants sont des femmes. Et imaginez qu'elles sont plus de 50% de notre population. La prochaine fois que je viendrai, je souhaiterais qu'on puisse parler au moins de 35 à 40% des femmes. Au total, 2335 hectares aménagés sont exploités par les producteurs de riz de la plaine de Saint-Ouest. L'ARPOSO fait une production annuelle, saison et contre-saison, de 16 000 tonnes de riz par jour. Les besoins de ces genres de magasins se font sentir dans les zones de production de l'Office du Moyen Bani. Lyomois a construit en tout 65 magasins de 100 à 1000 tonnes dans 5 régions du Mali pour un coût global de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Ces magasins contribuent à la sécurisation des productions agricoles en garantissant la qualité des graines et des récoltes.